Dans cet épisode, vous verrez que un garçon livre des bijoux du magasin du marché à la maison de Pawan. Richie le suit, priant pour que la tâche pour laquelle il est venu soit accomplie. Le vendeur sonne à la porte de la maison de Pawan. Pawan sort et reçoit le colis. Le vendeur demande de l'eau à Pawan et Pawan va la chercher. Pendant ce temps, Richie entre tranquillement dans la maison de Pawan, dans l'espoir de trouver des preuves. Pawan donne le colis à Sanoli, qui est très heureuse de voir sa chaîne de mariage. Pawan dit qu'il le lui mettra personnellement parce qu'il est son mari. Sanoli répond qu'elle est bien sa femme. Elle demande à Pawan qui il aime le plus, elle ou Tavi. Pawan répond en lui posant également une question, qui aime-t-elle le plus, lui ou Akshay? Sanoli dit, bien sûr, toi. Richie se cache dans la maison de Pawan et entend tout cela. La mère de Pawan l'appelle, lui disant que le créateur a essayé de l'appeler et qu'il n'a pas répondu. Elle leur propose d'aller chez Tanvi où se trouvera la créatrice. Sanoli est également prêt à partir. Richie devient très en colère en voyant tout cela. D'un autre côté, grand-mère est avec Tanvi et lui dit avec amour que Richie fait de son mieux pour elle. Tanvi dit que si les prières de grand-mère accompagnent Richie, il réussira sûrement. Penser à Richie fait sourire Tanvi. Tanvi va dans la chambre de Richie. Ses frères sont là, et en les voyant, Tanvi commence à partir. Mais Manpri plaisante avec elle, lui demandant si elle cherche Richie. Tanvi devient confus. Les frères de Richie lui disent que si elle aime Richie, elle devrait le déclarer ouvertement, surtout si elle n'aime pas Pawan. Tanvi dit que ce n'est pas facile pour une fille de faire ça et qu'elle ne peut pas s'en prendre à sa tante qui a tant fait pour elle. Bani entre dans la pièce et demande à Tanvi de préparer du thé pour les invités. Richie est très inquiet pour Tanvi et veut que la vérité sur Pawan et Sanoli soit révélée à tout le monde. Il prie Dieu pour obtenir de l'aide. Richie rentre chez lui pour voir ce que fait Pawan et le dénoncer. Tous les membres de la famille sont assis ensemble et Pawan et ses parents sont également arrivés. Tanvi propose des boissons à la mangue pour tout le monde, qu'ils apprécient tous. Tout le monde attend le créateur. Le créateur leur montre les robes. Il demande à Pawan qui est sa future épouse et Pawan nomme Tanvi. La créatrice tend la main pour serrer la main de Tanvi, mais elle ne lui rend pas l'appareil. Le créateur complimente Tanvi et dit à Pawan qu'il a beaucoup de chance. Nea, excitée, dit qu'elle fera également concevoir ses robes par lui. Tout le monde déménage dans une autre pièce et Tanvi et Pawan sélectionnent des robes. Le créateur demande à Tanvi de choisir une robe pour Pawan. Richie arrive, tient le châle de Tanvi et lui assure de ne pas s'inquiéter car il est là pour tout gérer. Pawan les observe avec méfiance. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.